Mes chers collègues, nous allons donc reprendre le cours de notre séance. Nous en étions à l'article 35 ancien, puisque le 34 nouveau amendé avait été adopté. Sur l'article 35 ancien, nous avons été saisis de trois amendements en début de séance ce matin, les amendements concurrents 8 et 17. De M. Lecourieux et Dunoyer, et l'amendement numéro 15 de M. Lecourieux. Je prends acte du retrait de l'amendement 8 et 15 présenté par M. Loan Lecourieux, de l'amendement 17 présenté par le député Philippe Dunoyer, et en revanche, je prends acte du dépôt sur le bureau de notre Assemblée d'un nouvel amendement numéroté 19 de M. Johan Lecourieux. En conséquence, pour l'examen de l'article 35, il y a lieu d'examiner qu'un seul amendement, celui nouvellement déposé, numéroté 19. Donc je vous demande, Monsieur le rapporteur spécial, de bien vouloir, s'il vous plaît, lire les commentaires de notre commission sur l'article 35 ancien, et ensuite de bien vouloir procéder à la présentation de votre amendement numéro 19. Vous avez la parole, Monsieur le rapporteur spécial. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Lecourieux suggère d'effectuer une modification par voie d'amendement précisant que les dispositions de la loi de pays ne peuvent trouver à s'appliquer sans que ces mesures d'application ne soient également adoptées. Et aussi, afin de disposer d'un corpus complet et applicable, il est proposé de différer l'entrée en vigueur de cette loi du pays jusqu'à l'adoption de ces délibérations d'application. Je vous passe l'amendement parce qu'on en a rédigé un nouveau. Ce travers précise que la mention « plus tard » émane d'une recommandation du Conseil d'État qui précise que le législateur ne peut pas renvoyer à l'autorité réglementaire le soin de fixer la date d'entrée en vigueur de la loi du pays qui se produirait si l'entrée en vigueur de la loi du pays dépendait de l'entrée en vigueur des délibérations d'application. La loi du pays doit fixer elle-même la date d'entrée en vigueur de ses propres dispositions et il convient donc de fixer une date butoir qu'il revient au commissaire de la choisir. Les commissaires fixent l'entrée en vigueur de cette loi plus tard le 30 septembre. Avis favorable à l'identique. Bon, on a revu tout ça. Hein. On vous propose l'amendement numéro 19. Je vous lis l'amendement numéro 19. Donc, suite à une concertation, vous proposons l'amendement numéro 19. Qui propose les modalités d'entrée en vigueur des dispositions de la loi du pays. L'article 35 est ainsi rédigé. Point 1. La disposition des titres 1 et 2 entre en vigueur à compter de l'entrée en vigueur de la délibération numéro tant du temps prise en application du titre 1 et du titre 2 de la loi du pays numéro tant du temps relative à la fonction publique de Nouvelle-Calédonie. Les dispositions du titre 3. Entre en vigueur à compter de l'entrée en vigueur de la délibération, c'est la même chose, et la disposition des titres 5, E4 plutôt, pardon, entre en vigueur à compter de, voilà, à l'identique. C'est pas du Baudelaire, mais c'est clair. Je vous remercie, Monsieur le rapporteur spécial. Y a-t-il des questions ou des observations sur cet amendement numéro 19 ? S'il n'y a pas de questions, je vais donc procéder au vote sur cet amendement numéro 19. Vote identique, l'amendement 19 est par conséquent adopté. Nous en revenons à l'article 35 ancien ainsi amendé. Des questions, des observations, je mets aux voix. Vote identique, cet amendement 35 ancien est par conséquent adopté. Nous avons donc examiné le dernier article de cette loi du pays. Nous avions, lors de l'examen des articles, réservé l'examen des articles 15 et 16 de ce projet de loi du pays. Je suis saisi d'un retrait de l'amendement 14. Sur l'article 15 ancien, vous le confirmez, monsieur le rapporteur spécial ? Oui, monsieur Ménard, je vais peut-être expliquer pourquoi. Parce que c'est peut-être l'explication qui est importante. Alors, je vais vous céder dans quelques instants la parole. Donc, je vous propose donc que nous revenions à cet article 15 ancien et je prends acte du retrait de l'amendement numéro 14, mais vous allez expliquer
les raisons de votre retrait. Monsieur le rapporteur spécial, vous avez la parole. Oui. Merci, Monsieur le Président. Donc, je retire l'amendement numéro 14 parce que l'état actuel du 15 et du 16 permettent, pour l'article 15 et 16, permettent en fait à tous les syndicats, quels qu'ils soient représentatifs ou non, de participer aux élections de CAP de fin d'année. Et en fait, l'ensemble des délibérations va préciser, je dirais, les conditions futures de représentativité de des syndicats. Et j'ai oublié la deuxième, mais ça suffira. Je vous remercie. Monsieur le député Philippe Dunoyer, vous avez demandé la parole, vous l'avez. Oui, merci, Monsieur le Président. Rapidement et en complément de Monsieur le rapporteur spécial, indiquer que donc, après les explications juridiques qui nous ont été données en complément de la séance, l'objectif partagé par l'ensemble, je crois, des collègues présents, consistant à garantir que lors des prochaines élections qui seront organisées en octobre de cette année, l'ensemble des organisations syndicales pourront se présenter et présent. Il n'y a pas de raison donc de modifier ces articles 15 et 16 qui, de toute façon, n'entreront en vigueur que bien après. Donc l'engagement pris n'a pas besoin d'être traduit juridiquement, mais il existe bel et bien. Je vous remercie. Sur l'article 15 ancien, y a-t-il des questions ? Y a-t-il des observations ? S'il n'y en a pas, je le mets aux voix. Vote identique, cet article 15 ancien est par conséquent adopté. Nous passons au deuxième article que nous avions réservé, qui est l'article 16 ancien. Monsieur le rapporteur spécial, pour l'avis de la commission. Je vous remercie. Sur cet article 16 ancien, y a-t-il des questions ou des observations ? Je mets aux voix cet article. Vote identique. Il est donc adopté. Nous en avons terminé avec l'examen article par article de ce projet de loi du pays. Nous en arrivons donc à l'explication de vote. Avant de vous demander d'inscription en explication de vote, je voudrais simplement vous indiquer à titre personnel que le vote de ce projet de loi du pays va aboutir à la disparition donc de la fonction publique communale en tant que telle. Et donc je voudrais simplement saluer la mémoire d'Henri Leleu qui, lors de la séance du 11 août 1994, avait été le président de commission de la fonction publique qui avait donc défendu à l'époque cette délibération qui était longuement attendu et il avait fait dans le cadre de cette présidence de commission, puisqu'à l'époque l'exécutif était l'État, il avait fait donc un énorme travail et qui avait abouti à un vote unanime du Congrès de la Nouvelle-Calédonie le 11 août 1994, statut donc qui va avec la mise en œuvre et l'application de cette loi du pays. Statut donc qui va disparaître. Voilà, c'était une pensée pour un de nos anciens collègues qui a été pendant longtemps également le doyen du Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Dans l'explication de vote, y a-t-il des demandes d'inscription ? Monsieur le Président Philippe Michel, monsieur le conseiller Johan Lecourieux, pas d'autres demandes d'inscription. Monsieur le Président Philippe Michel, vous avez donc la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Philippe, Monsieur Jacques Lallier aussi. Pardon. Je vais faire court parce que mon petit doigt me dit qu'il y aura d'autres explications de vote sur ce texte. Le projet de loi de pays qu'on vient d'examiner est attendu par les fonctionnaires, par les contractuels et par les collectivités, qui, à défaut, se trouvent sous la menace de devoir mettre en place des comités d'entreprise, ce qui ne serait pas la formule de représentation idoine. Il va permettre de concrétiser une partie du travail effectué depuis plusieurs années dans le cadre de la réforme de la fonction publique. C'est un projet qui porte des avancées au bénéfice des collectivités et de leurs agents. Et c'est un progrès social et une reconnaissance, notamment pour les contractuels.
La fusion des statuts généraux des fonctionnaires territoriaux et communaux est depuis longtemps souhaitée. Dans un pays de 300 000 habitants, c'est à la fois une mesure de bon sens et de bonne gestion. Les règles de représentativité des organisations syndicales de salariés seront désormais plus claires, à l'exception notable des prochaines élections de CAP qui, elles, se dérouleront sans conditions préalables, sans critères préalables de représentativité. Les agents contractuels pourront participer au CTP et, au travers de cette instance, aux décisions concernant l'organisation des services publics. Et enfin, le statut d'agent de droit public vient garantir les droits et les obligations des agents contractuels de la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie et des communes, désormais fusionnées en une seule fonction publique. Au cours de nos débats tout au long de la journée, et je tiens à le saluer, nous avons recherché, au travers de divers amendements, un certain nombre d'équilibres qu'il était nécessaire de mettre en place, à la fois pour permettre à toutes les organisations syndicales de participer aux prochaines élections de CAP et avoir une chance d'être représentées. Nous avons voté un certain nombre d'amendements concernant la date d'entrée en vigueur du dispositif ou le dispositif d'encadrement de l'emploi de collaborateurs politiques au sein des mairies. Je m'en félicite. Nous n'avons pas pu aboutir sur un autre amendement que nous avions proposé qui vise à prendre en compte, sans détricoter l'ensemble du dispositif, qui vise à prendre en compte les difficultés de recrutement des petites communes de brousse. Et avant de confirmer que le groupe Calédonie Ensemble votera donc en faveur de ce loi de pays, j'appelle de mes voeux, notamment dans le cadre des discussions qu'on aura lors de la deuxième lecture, des avancées sur ce sujet, parce que je reste persuadé qu'il faut effectivement poursuivre les objectifs prioritaires de ce projet, mais prendre en compte de manière raisonnable les difficultés de recrutement des petites communes de brousse, parce que quelle que soit notre bonne volonté et les principes qu'on cherche à mettre en œuvre, je ne suis pas sûr que le simple principe de mobilité posé au travers de ce statut unique des deux fonctions publiques permettra de régler les difficultés d'emploi des petites communes de brousse. Voilà, donc on se retrouvera en deuxième lecture. Je souhaite que le même esprit prévale, et j'adresse en ce sens un message au groupe indépendantiste en particulier, pour qu'on trouve les équilibres nécessaires qui permettent de trouver un consensus aussi large que possible sur ce texte, comme on a su le faire sur d'autres textes. Je pense en particulier à la protection de l'emploi local dans le secteur public, où après une très longue séance, la sagesse collective avait fini par l'emporter. Voilà ce que je voulais dire, Monsieur le Président, en confirmant donc que le groupe Calédonie Ensemble votera ce projet de loi du pays. À Monsieur le conseiller Johan Lecourieux. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, le projet de loi du pays qui nous est présenté aujourd'hui s'inscrit comme le texte majeur de notre future administration calédonienne. Les textes réglementaires et législatifs régissant la fonction publique en Nouvelle-Calédonie sont anciens. Le statut général date de 1953. Et ces textes ne sont plus adaptés à l'organisation institutionnelle et administrative de la Nouvelle-Calédonie. Bien évidemment, des réformes partielles se sont succédées afin de régler des situations ponctuelles, mais malheureusement sans une vision globale, tant sur le plan du formalisme juridique que sur le fond, avec des textes à portée incomplète car travaillés dans l'urgence et destinés à répondre à des besoins ponctuels. 2014 se déroule sous la présidence de Mme Lijard, alors présidente du gouvernement de Nouvelle-Calédonie, le séminaire « Réussir la modernisation de la fonction publique ». Ce séminaire, organisé en trois ateliers, rendra ses conclusions qui seront reprises par le comité de coordination réuni le 5 décembre de la même année. Ce séminaire a défini les priorités et les modalités de travail. Ainsi, quatre groupes de travail ont été créés auxquels tous les employeurs publics et les représentations de salariés ont participé.
L'objectif était alors de rédiger de nouveaux textes qui permettent de définir un système de fonction publique adapté à l'organisation administrative et institutionnelle telle qu'elle a évolué ces dernières décennies, mais aussi de bâtir une fonction publique répondant aux besoins de nos agents comme à ceux de tous les Calédoniens. Ainsi, ce projet de loi du pays, issu de la fusion de 4 projets de texte conformément aux recommandations du Conseil d'État, constitue à lui seul l'assise fondatrice du premier bloc de la réforme attendue. Ce projet contient tous les éléments nécessaires au subtil équilibre qui fonde une modernisation de notre fonction publique tout en marquant une avancée sociale significative pour les agents contractuels tout particulièrement, mais aussi pour le droit et la représentativité syndicale au sein de la fonction publique. Ce texte impacte favorablement la mobilité des fonctionnaires. Il améliore le pouvoir d'achat des agents contractuels, il alloue de nouveaux moyens aux syndicats et à leurs représentants à travers les délibérations d'application. Vous l'aurez compris, la portée de ce projet de loi de pays est sans précédent pour l'administration calédonienne. Ce pas fondamental vers une réforme attendue reste marqué par un équilibre global issu d'un consensus large. Les élus du groupe tiennent ici à saluer le consensus trouvé par les employeurs publics et les organisations syndicales. Nous saluons sincèrement le travail et l'investissement de la Direction des ressources humaines de Nouvelle-Calédonie, cheville ouvrière, consciencieuse et efficace dans l'élaboration de cette réforme. Enfin, nous tenons à saluer Madame le membre du gouvernement en charge de la fonction publique, qui n'a eu de cesse tout au long de ce sensible projet de privilégier la discussion et ainsi rechercher le consensus sans jamais abandonner la vision d'une fonction publique calédonienne moderne et efficiente. Les élus du groupe Les Républicains Rassemblement MPC voteront pour le projet de loi du pays qui nous est présenté. Si vous permettez, Monsieur le Président, avant le vote, comme ça sera fait, je tiens à remercier aussi les administratrices, parce que Tara Schubert et Margot Flaville, ainsi que leur directeur, Monsieur Laurent Travers, pour le soutien et l'appui sur cette loi de pays assez complexe. Nous prenons bonne note de vos remerciements. Nous en arrivons au terme de l'explication de vote. Je vais donc procéder... Pardon. Monsieur le conseiller Jacques Lallier. Merci, Monsieur le Président. J'avais peur que vous m'oubliez. Ben, je vous avais presque oublié. Comme vous aimez bien la droite, mais là, vous ne m'avez pas vu à droite. Monsieur le Président, je m'abstiendrai sur ce texte au nom de l'ensemble de nos groupes. Nous avons refusé de participer au débat puisque nous avons proposé de renvoyer le texte en commission. Nous n'avons pas été entendus, écoutés, alors que nous estimons que toutes les choses que nous avons posées sont primordiales au bon fonctionnement de notre administration, notamment dans le cadre de cette globalisation de la fonction publique. Et nous représentons quelque part un peu nos forces politiques, les communes qui sont les plus loin des villes, et qui fait que la considération que nous avons tenue à affirmer en priorité, c'est effectivement les centres d'intérêt des communes, mais aussi le fait que, comme disait Philippe Michel, on n'arrive pas au nom de la possibilité de faire tourner les fonctionnaires, on n'arriverait pas à nommer des fonctionnaires dans les communes qui sont éloignées des petites communes. Donc on sait aussi qu'il y aura des effets induits en termes de financement. Et donc il était important que ces chiffres soient avancés pour l'ensemble des communes de la Nouvelle-Calédonie notamment, mais aussi des institutions qui sont en place. Nous avons souhaité que ce travail, même si fondamentalement nous soutenons cette démarche, et là je salue le travail qui a été effectué par membre du gouvernement avec les services, pour amener ici au Congrès. On sait bien que dans les dossiers où il n'y a pas d'accord, c'est au Congrès qu'on doit pouvoir faire évoluer. Et c'est pour ça que nous avons pris une position qui
qui nous impose de revenir à la discussion pour encore mieux améliorer ce texte et le mieux l'adapter par rapport aux réalités locales. Parce que un champ d'application global risque de laisser les réalités de chaque commune. Donc, Monsieur le Président, on est désolé qu'on soit obligé d'avoir des attitudes de ce genre, qui n'est certainement pas... peut-être lu par d'autres que c'est irresponsable, mais à des moments donnés, nous sommes contraints de taper sur la table ou d'avoir des attitudes qui permettent à ce que... ou des démarches comme le recours à la deuxième lecture pour pouvoir mettre autour de la table pour pouvoir discuter et prendre en compte les réalités locales. Donc voilà, encore une fois, on a pu constater que malgré que 44% des membres du Congrès n'étaient pas présents. On n'a pas, quand je dis 44, je fais allusion au résultat du 4 novembre. Mais on n'est pas là. Ça n'a pas beaucoup touché l'ensemble du Congrès. Et donc, on compte sur la responsabilité de chacun pour qu'on puisse revenir sereinement et puis essayer de travailler dans le bon sens. Et encore une fois, nous sommes, je réaffirme notre positionnement favorable pour reconsidérer la situation des fonctionnaires de la Nouvelle-Calédonie par rapport au fait qu'ils ont, on a diminué leur pouvoir d'achat, ou en tout cas ils n'ont pas eu des effets indus par rapport au coût de la vie pendant les 10 années qui sont passées. Donc, voilà. Je m'abstiendrai, Monsieur le Président. Ah oui, je m'abstiendrai et au nom de nos groupes politiques, et puis parce qu'on ira en deuxième lecture. On fera les démarches pour aller en deuxième lecture. Voilà, merci. Je vous remercie. Nous en avons terminé avec les explications de vote. Nous allons procéder au vote sur l'ensemble de ce projet de loi du pays. À main levée, qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Madame la secrétaire générale, veuillez s'il vous plaît procéder à la proclamation des résultats. 29 voix pour et 2 abstentions. Je vous remercie. En conséquence, ce projet de loi du pays relative à la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie est adopté par le Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Nous passons, mes chers collègues, au projet de loi du pays suivant, portant diverses mesures en matière de pension de retraite des fonctionnaires de Nouvelle-Calédonie, qui a fait l'objet d'un rapport numéro 35 du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 26 février 2019. Madame la rapporteure spéciale et notre collègue Madame Rusmaïni Sanmohamat, désigné lors de notre séance publique du 11 janvier 2019. Ce projet de loi du pays a fait l'objet d'un avis du Comité supérieur de la fonction publique en date du 16 janvier 2019, un avis du Conseil d'État du 29 janvier 2019. Il a été examiné en commission de l'organisation administrative et de la fonction publique le 6 mars 2019, fait l'objet de rapport de commission numéro 70. Le rapport spécial a quant à lui était diffusé le 12 mars 2019. Deux amendements sont déposés à l'appui du rapport spécial par Madame la rapporteure spéciale portant sur les articles 2 et 4 de ce projet de loi du pays. Les oratrices prioritaires sont Madame la rapporteure spéciale et Madame la présidente et Madame la rapporteure de la commission de l'organisation administrative et de la fonction publique avec bien évidemment le gouvernement. Sur l'intervention liminaire du gouvernement, il y a-t-il une demande qui est formulée dans le cadre de ce débat ? Madame la membre du gouvernement en charge de la fonction publique, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président.
Rapidement, simplement pour indiquer que ce projet, l'étude de ce projet de loi de pays devrait être un peu plus rapide que ce que nous avons connu depuis ce matin, puisqu'il s'agit pour l'essentiel de mesures d'ajustement s'agissant du fonctionnement de la CLR. Donc il s'agit là de répondre à des demandes qui ont été formulées à l'occasion du conseil d'administration de la CLR, qui, je le rappelle, est composé de toutes des employeurs publics et des représentations syndicales, à la fois d'actifs et de retraités. Je profite de cette occasion pour vous indiquer que, malgré les mesures qui ont déjà été prises pour assurer la pérennité de la CLR, on a constaté que ce ne serait évidemment pas suffisant. Et au cours de l'année 2019, nous mettrons en place au niveau de la CLR une étude actuarielle de façon à pouvoir proposer pour l'année 2020 des mesures d'ajustement, donc de nouvelles mesures pour garantir une plus grande pérennité à la Caisse. Merci. Je vous remercie, Madame la membre du gouvernement. Nous allons maintenant procéder à la lecture du rapport spécial et je vais donc céder la parole à notre collègue, Madame la conseillère Rusmaïni San Mohammad, pour présenter le rapport spécial. Vous avez la parole, Madame la conseillère. Merci, Monsieur le Président. Donc, Monsieur le Président du Congrès, Monsieur le Président du gouvernement, mes chers collègues, le Congrès de la Nouvelle-Calédonie est réuni aujourd'hui afin de statuer sur le projet de loi du pays portant diverses mesures en matière de pension de retraite des fonctionnaires de Nouvelle-Calédonie déposé sur le bureau du Congrès le 27 février 2019. Ce projet de loi du pays, qui comporte 4 articles, a pour objet d'aménager le régime de retraite prévu par le Code des pensions de retraite des fonctions publiques de Nouvelle-Calédonie sur 4 points. Les conditions d'ouverture du droit à pension en cas de disponibilité, le régime de l'indemnité de résidence, le droit à pension de réversion, la limite d'âge pour mise à la retraite. Il sera complété par un projet de délibération d'application tendant à préciser et encadrer les conditions dans lesquelles un fonctionnaire peut prolonger son activité au-delà de 65 ans, et mettre en concordance la partie réglementaire du Code des pensions de retraite avec les modifications en matière d'indemnité de résidence. Ces modifications répondent à une demande du conseil d'administration de la Caisse locale de retraite et poursuivent pour l'essentiel des objectifs de simplification administrative, d'actualisation et de modernisation des droits à pension. Réunie le 6 mars 2019 pour examiner le projet de loi du pays, la commission de l'organisation administrative et de la fonction publique s'y est déclarée favorable à l'unanimité des suffrages exprimés tout en préconisant 2 modifications par voie d'amendement. Sur la présentation générale du texte, après avoir rappelé brièvement les évolutions du régime des retraites des fonctionnaires de Nouvelle-Calédonie, votre rapporteur spécial s'attachera à exposer chacune des 4 mesures prévues par le présent projet de loi du pays. Tout d'abord, un retour sur le régime de retraite des fonctionnaires de Nouvelle-Calédonie et ses principales évolutions. Le régime des retraites de la fonction publique en Nouvelle-Calédonie repose sur un système de retraite par répartition. Ce sont les cotisations versées par les actifs retenus pour pension et la contribution supportée par l'employeur qui permettent de financer les pensions des retraités. À l'inverse d'un système par capitalisation, il repose sur une forte solidarité entre générations. Institué en 1954, le régime des retraites actuel est le fruit de réformes successives depuis le début des années 2000, visant à préserver son équilibre financier. La création en 1954 d'un régime spécial de retraite au profit des fonctionnaires territoriaux. C'est en 1954, par le décret numéro 5448 du 4 janvier 1954, qu'a été institué un régime de retraite au bénéfice des personnels des cadres territoriaux nouvellement créés, gérés initialement par le chef du bureau des finances. À partir de 1994, y sont également affiliés les fonctionnaires communaux. Afin notamment de permettre la participation des fonctionnaires et retraités à la gestion du régime, il est créé par délibération numéro 365 CP du 17 novembre 1994, l'Office territorial de retraite des agents fonctionnaires, établissement public de la Nouvelle-Calédonie. Un premier point de mesure adopté sur la période 2002-2003. Excédentaire jusqu'alors, le régime de retraite des fonctionnaires est devenu déficitaire pour la première fois en 1993. Relativement limité les premières années, le déficit de trésorerie s'est rapidement accru à la fin des années 1990 pour atteindre 2,1 milliards en 2000. Afin de redresser la situation financière de la Caisse locale de retraite, un premier plan de mesures a été adopté par le Congrès en mai 2002 et juin 2003, comprenant notamment l'indexation de l'assiette des cotisations, la mise en place d'un abattement provisoire de la pension pour une retraite avant 60 ans et la réduction de 75% à 113% de l'indemnité temporaire de résidence. Ensuite, la réforme de 2006. Les mesures correctrices adoptées en 2002 et 2003 se sont révélées insuffisantes. Dès avril 2006, sont adoptées de nouvelles mesures poursuivant un double objectif.
À court terme, éviter l'épuisement des fonds disponibles de la Caisse par un accroissement rapide de ses ressources et une limitation de ses dépenses. À moyen terme, assurer la pérennité du régime de retraite par le rétablissement durable des équilibres structurels. Parmi les mesures prises en 2006, figurait principalement l'augmentation des taux de cotisation par salarial et par patronal, qui en 5 ans passe de 23,4% à 30%. Par ailleurs, par délibération numéro 169 du 29 mars 2006, les statuts de l'Office territorial de retraite sont modifiés et lui succède la Caisse locale de retraite. La création en 2013 du Code des pensions de retraite des fonctionnaires relevant des fonctions publiques de Nouvelle-Calédonie. En 2010, le cabinet d'études actuarielles Winter est sollicité par le gouvernement pour réaliser une étude sur la situation démographique et financière du régime à court et moyen terme. Rendue en octobre 2011, les conclusions sont sans appel. Le régime sera en cessation de paiement à l'horizon 2020-2024. Toutefois, de l'avis du Conseil d'État ainsi que de la Chambre territoriale des comptes, un travail de codification, d'actualisation et de ventilation des dispositions entre les niveaux législatifs et réglementaires était préalablement nécessaire avant toute réforme du système de retraite des fonctionnaires. C'est ainsi que la loi du pays numéro 2013-1 du 30 mai 2013 et la délibération numéro 101-CP du 31 mai 2013 créent le Code des pensions de retraite des fonctionnaires relevant des fonctions publiques de Nouvelle-Calédonie, lequel est entré en vigueur le 1er juillet 2013. Celui-ci est issu principalement du décret modifié numéro 5448 du 4 janvier 1954, mais également des dispositions de la délibération numéro 365-CP du 17 novembre 1994 relative à la création de la Caisse locale de retraite et un article de la délibération numéro 109 du 24 août 2005 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel dans les fonctions publiques de Nouvelle-Calédonie. Il a été réalisé pour l'essentiel à droit constant. Un nouveau plan de réforme adopté en 2014. Face à la situation financière dégradée de la CLR et à la crainte d'une situation de cessation de paiement des pensions à l'horizon 2020-2024, il est paru nécessaire et urgent de redresser et pérenniser le régime de retraite par une réforme d'ensemble. Pour assurer l'équilibre structurel des comptes de la Caisse locale de retraite, la loi du pays numéro 2014-5 du 12 février 2014 a instauré un certain nombre de mesures s'articulant autour de trois axes majeurs. L'augmentation de la cotisation des employeurs, la généralisation progressive d'un abattement de 5% sur les pensions des retraités et une incitation des actifs à travailler plus longtemps par l'augmentation de l'âge de départ à la retraite, la suppression des bonifications d'âge, la mise en place d'un abattement viager pour tout départ anticipé, une surcote pour les départs tardifs, des règles de non-cumul de pension de retraite avec une rémunération avant l'âge de 60 ans. La loi du pays numéro 2014-6 du 12 février 2014 complète ce plan de redressement en fixant les modalités de liquidation des pensions de retraite des agents fonctionnaires à carrière dite mixte, c'est-à-dire relevant des fonctions publiques métropolitaines et de Nouvelle-Calédonie. L'apport de la loi du pays relative à la résorption de l'emploi précaire dans les fonctions publiques de Nouvelle-Calédonie. La loi du pays numéro 2016-18 du 19 décembre 2016 relative à la résorption de l'emploi précaire dans les fonctions publiques de Nouvelle-Calédonie avait également pour ambition de contribuer au redressement de la situation financière de la CLR en favorisant l'arrivée de nouveaux cotisants et en augmentant ainsi ses ressources. D'après les informations obtenues auprès du gouvernement, le bilan des campagnes d'intégration menées fait apparaître les chiffres suivants. Pour la fonction publique de Nouvelle-Calédonie, 201 candidats ont été admis en 2017 et 152 candidats ont été admis en 2018. Pour la fonction publique communale, 28 candidats ont été admis en 2017 et 56 candidats ont été admis en 2018. Les différents aménagements du régime public de retraite proposés. Le projet de loi du pays qui est soumis aujourd'hui à notre approbation n'a pas pour objet de réformer de nouveau le régime de retraite présenté ci-avant. Il s'agit pour l'essentiel de modifier certaines dispositions du Code des pensions de retraite se révélant inadaptées dans la pratique et pour ce qui concerne l'indemnité de résidence de tirer toutes les conséquences des évolutions précédentes du régime. Tout d'abord, la suppression de l'obligation de se trouver en situation pour prétendre à une pension. Le premier mot de l'article 1er du projet de loi du pays propose de modifier les dispositions de l'article LP221-1 du Code des pensions de retraite relatives aux conditions d'ouverture du droit à pension pour ancienneté de service afin de les adapter à la situation particulière des agents en disponibilité. En l'état actuel du droit, l'agent doit nécessairement être en activité pour pouvoir prétendre au bénéfice d'une pension pour ancienneté.
La notion d'activité recouvre en pratique trois cas de figure. La position d'activité à proprement parler, la position de détachement et la mise à disposition. Il s'ensuit que l'agent en disponibilité doit préalablement être réintégré sur un poste, alors que par définition, l'intéressé ne sera amené à l'occuper que le temps strictement nécessaire à la mise en œuvre de la procédure de départ à la retraite. Dans ces conditions, cette formalité de réintégration se révèle aujourd'hui particulièrement lourde et sans intérêt. Au surplus, une telle procédure semble contraire au principe d'interdiction des nominations dites pour ordre. Pour mémoire, le terme désigne une affectation théorique à un poste destiné à donner un titre à un fonctionnaire sans que celui-ci l'exerce effectivement, mais pour qu'il bénéficie des avantages qui y sont attachés. En conséquence, dans un double objectif à la fois de simplification administrative et de sécurité juridique, il est proposé de supprimer l'obligation de se trouver en position d'activité au moment du départ à la retraite. Pour ce faire, les mots « à la date de cessation d'activité » figurant au premier alinéa de l'article LP221-1 du Code des pensions de retraite sont supprimés. Ensuite, sur la modification du régime de l'indemnité de résidence. Le deuxième de l'article 1er du projet de loi du pays propose de modifier les dispositions de l'article LP232-14 du Code des pensions de retraite relatives au non-respect des conditions d'octroi de l'indemnité de résidence afin de limiter les effets de l'absence du territoire de la Nouvelle-Calédonie. Le régime actuel de l'indemnité de résidence est régi par les dispositions des articles LP232-12 à LP232-14 et R232-8 à R232-10 du Code des pensions de retraite des fonctionnaires relevant des fonctions publiques de Nouvelle-Calédonie. Pour mémoire, les pensionnés du régime résidant de façon stable et permanente en Nouvelle-Calédonie bénéficient, en plus de leur pension pour ancienneté ou pension proportionnelle, d'une indemnité de résidence égale à 73% du montant en principal de la pension. Les pensionnés qui ont leur domicile fiscal en Nouvelle-Calédonie au sens des petits a et petits b de l'article 48 du Code des impôts bénéficient d'une présomption de résidence stable et permanente en Nouvelle-Calédonie. Lorsque le pensionné ne remplit plus les conditions d'octroi et d'effectivité de la résidence, l'indemnité de résidence cesse d'être versée. Toutefois, le versement de l'indemnité est maintenu lorsque la durée totale d'absence du territoire de la Nouvelle-Calédonie, continue ou fractionnée, est inférieure à 6 mois par année civile. Par conséquent, le pensionné perd le bénéfice de l'indemnité de résidence dans 2 hypothèses. Lorsqu'il réside hors de Nouvelle-Calédonie, à compter de son départ définitif du territoire, lorsqu'il s'absente temporairement de la Nouvelle-Calédonie, notamment pour voyager, pour une durée cumulée égale ou supérieure à 6 mois. Le versement de l'indemnité de résidence est alors suspendu et reprend sans effet rétroactif à compter du premier jour du 4e mois de résidence continue sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie. En cas d'infraction volontaire aux règles d'attribution de l'indemnité de résidence, le versement de celle-ci est suspendu durant 2 ans. Le fondement de l'indemnité de résidence. L'indemnité temporaire de résidence est instituée initialement par l'arrêté numéro 61545 CG du 14 décembre 1961 avait pour objet de pallier les conséquences de conditions de vie plus onéreuses dans les territoires d'outre-mer. Elle partageait ainsi le même fondement juridique que celui de l'indexation du traitement des fonctionnaires. Or, depuis 2005, l'indemnité de résidence servie aux pensionnés en application des articles LP232-12 et suivants du Code des pensions de retraite se fonde désormais sur une logique contributive. L'indemnité de résidence est aujourd'hui justifiée par la circonstance que les fonctionnaires de Nouvelle-Calédonie subissent un prélèvement pour pension sur l'ensemble de leur traitement, traitement de base et indexation. En effet, la délibération numéro 89 CP du 7 mai 2002 portant modification du décret modifié numéro 5448 du 4 janvier 1954 portant création et organisation de la Caisse locale de retraite de la Nouvelle-Calédonie a augmenté progressivement l'assiette des cotisations à la Caisse locale de retraite, désormais assise sur le traitement de base majoré selon le calendrier suivant. 13% en 2002, 33% en 2003, 43% en 2004, 53% en 2005 et 73% en 2006. Pour autant, la situation financière de la CLR a continué de se détériorer.
Une modification de ce calendrier est apparue indispensable et a été adoptée un an après avec la délibération numéro 378 du 11 juin 2003 portant modification du décret modifié numéro 5448 du 4 janvier 1954 portant création et organisation de la CLR de la Nouvelle-Calédonie et dépendance. Pour mémoire, le nouveau calendrier prévoyait que la retenue pour pension s'effectue sur le traitement de base majoré de 13% à compter du 1er mai 2002, 33% à compter du 1er mai 2003, 53% à compter du 1er juillet 2004, 63% à compter du 1er janvier 2005 et 73% à compter du 1er juillet 2005. Pour résumer, dès lors que les fonctionnaires actifs cotisent depuis le 1er juillet 2005 sur leur traitement indexé, il convient aujourd'hui d'en tirer les conséquences sur le régime de l'indemnité de résidence et plus particulièrement sur les effets de l'absence du territoire. Ainsi, il y a lieu aujourd'hui de moduler la reprise de l'indemnité de résidence en fonction des années accomplies avant le 1er juillet 2005. Sur la modulation de la reprise partielle de l'indemnité de résidence, le deuxième de l'article 1er du projet de loi du pays propose de limiter les effets de l'absence du territoire de la Nouvelle-Calédonie en modifiant les modalités de calcul de la reprise partielle de l'indemnité de résidence. Désormais, seule la quote-part de l'indemnité de résidence correspondant à la période antérieure à la majoration de l'assiette des cotisations au taux de 73% fait l'objet d'un reversement. Pour ce faire, la reprise partielle de l'indemnité de résidence est calculée au prorata des annuités accomplies avant le 1er juillet 2005. Cette mesure a vocation à s'appliquer aux pensionnés actuels et futurs qui, à compter de l'entrée en vigueur de la loi du pays, feraient l'objet d'une reprise de l'indemnité de résidence pour non-respect de la condition de résidence en Nouvelle-Calédonie. Donc, afin d'illustrer le nouveau dispositif et d'en mesurer la portée, donc votre rapporteur spécial reprend le tableau comparatif ci-dessous, un exemple de calcul fourni donc par les services de la CLR. Donc, vous avez l'exemple d'un agent à l'INM 783, donc qui a effectué 20 ans avant le 1er juillet 2005 et 15 ans après le 1er juillet 2005, avec un taux de pension à 80%, avec une durée d'absence de 7 mois. Donc, il aura une reprise d'indemnité de résidence d'un mois. Voilà, et vous avez ensuite le calcul sur la reprise de l'indemnité de résidence. Accessoirement, la modification proposée au premier alinéa de l'article LP 232-14 du Code des pensions de retraite a pour objet de préciser les modalités de décompte du délai de 6 mois de résidence mentionné à l'article R 232-10 du même code. Afin de mettre fin à toute contestation de la part des pensionnés, il indiquait expressément dans la partie législative que la reprise partielle de l'indemnité de résidence s'applique en cas d'absence de plus de 183 jours, incluant les jours de départ et de retour. Sur l'impact de la mesure proposée aura des effets. D'une part, sur le montant des reprises d'indemnité de résidence indues, qui devrait diminuer dans une proportion de plus en plus importante chaque année jusqu'à devenir nulle lorsque, à terme, l'ensemble des pensionnés auront, sur toute la durée de leur carrière, cotisé sur la base de leur traitement indexé. D'autre part, sur le montant des indemnités de résidence servies aux pensionnés résidant hors de Nouvelle-Calédonie, aujourd'hui exclus du bénéfice de l'indemnité de résidence, lesquels pourront désormais percevoir une indemnité au prorata des annuités accomplies après le 1er juillet 2005. Malgré les difficultés soulevées par la CLR pour évaluer l'impact financier de cette mesure, il peut être rappelé un certain nombre de données chiffrées correspondant à l'année 2017 et permettant de donner quelques ordres de grandeur. Les reprises d'indemnités de résidence ont concerné 29 pensionnés sur un nombre total de 4881 bénéficiaires. Les reprises d'indemnités de résidence ont généré une recette de 46 millions de francs sur un montant total de dépenses au titre de l'indemnité de résidence représentant plus de 7 milliards de francs. Les pensionnés vivant à l'extérieur du territoire et ne percevant pas de ce fait l'indemnité de résidence sont au nombre de 306 pour 2017, soit 6,3% des pensionnés, et représentaient une économie de 363 millions de francs. Avec la mise en œuvre du nouveau dispositif, il conviendra dorénavant de reverser une partie de ce montant calculé au prorata des annuités accomplies avant le 1er juillet 2005. Cela concernait 118 pensionnés pour l'année 2018. Ensuite, sur la suppression du droit à pension de réversion pour les conjoints divorcés. Les troisièmement, quatrièmement, cinquièmement de l'article 1er du projet de loi du pays proposent de modifier les dispositions des articles LP
261-1 à LP 261-3 du Code des pensions de retraite relatives aux pensions de réversion. En l'état actuel du droit, le conjoint, partenaire ou concubin d'un fonctionnaire décédé bénéficie d'une pension de réversion égale à 50% de la pension d'ancienneté ou proportionnelle obtenue ou qu'il aurait obtenue, augmentée, le cas échéant, de la moitié de la rente d'invalidité. S'y ajoute éventuellement la majoration de pension pour enfants, des avantages familiaux et l'indemnité de résidence. L'ex-conjoint, ex-partenaire ou ex-concubin survivant peut prétendre à une pension de réversion malgré la séparation ou le divorce, dès lors qu'il n'est pas en union avec une autre personne, remariage, pax ou situation de concubinage notoire. Dans l'hypothèse où le fonctionnaire décédé aurait été marié, paxé ou en concubinage avec plusieurs personnes successivement, chacune d'entre elles, sous réserve que les conditions soient remplies, ont droit à une pension de réversion dont la répartition est alors fixée selon les dispositions de l'article LP 261-3 du Code des pensions. D'après les informations actualisées obtenues auprès de la CLR, ce sont 12 personnes qui bénéficient actuellement d'une pension de réversion en tant qu'ex-conjoint d'un fonctionnaire décédé, représentant un montant annuel de 18 millions de francs. Comme l'indique le gouvernement, ces mesures protectrices envers le conjoint survivant s'expliquent historiquement par la nécessité de garantir des moyens d'existence à la femme dont le conjoint était décédé à une époque où traditionnellement la femme se consacrait à l'éducation des enfants, n'avait pas d'activité professionnelle et donc pas ou peu de sources de revenus autres que celles de son mari. Compte tenu du caractère anachronique de ces dispositions et de situations d'abus parfois constatées par la caisse locale de retraite, il est proposé de supprimer le droit à réversion du conjoint survivant lorsqu'il est séparé ou divorcé du fonctionnaire décédé. Le droit à pension de réversion est maintenu dans toutes les autres situations. Par ailleurs, il convient de préciser que les droits des orphelins de moins de 21 ans, du pensionné décédé, sont préservés puisqu'ils percevront une partie de la pension de réversion des ex-conjoints, ex-partenaires et ex-concubins survivants qui n'y auront plus droit, et ce, en complément de leur pension d'orphelin jusqu'à 21 ans. Afin de ne pas porter atteinte aux situations légalement acquises, l'article 3 du projet de loi du pays prévoit que les bénéficiaires actuels conservent leur droit à pension de réversion. Malgré ces dispositions, le Conseil d'État recommande que, je cite, « la suppression des conjoints divorcés de la liste des bénéficiaires d'une pension de réversion s'accompagne de dispositions transitoires afin qu'ils ne soient portés atteinte à aucun effet légitimement attendu de la loi. Il n'est toutefois pas apparu opportun de prévoir une disparition progressive de la mesure au bénéfice des futurs ex-conjoints survivants. » Ensuite, sur les dispositions sur le recul de la limite d'âge pour prétendre à pension. L'article 2 du projet de loi du pays propose de modifier les dispositions des statuts généraux des fonctions publiques de la Nouvelle-Calédonie fixant l'âge limite de départ à la retraite. En l'état actuel du droit et depuis 2003, la limite d'âge pour prétendre à pension est fixée sans distinction à 65 ans. Il s'ensuit qu'aucun agent qui souhaiterait poursuivre ses fonctions ne peut être maintenu en activité au-delà de cette limite d'âge. Dans ces conditions, cette limite d'âge se révèle aujourd'hui particulièrement stricte et en décalage avec, d'une part, la tendance au vieillissement des agents entrés dans la fonction publique et, d'autre part, avec l'augmentation générale de l'espérance de vie. Aussi, dans un double objectif à la fois d'assouplissement et de modernisation de notre législation, il est proposé de maintenir le principe d'une limite d'âge à 65 ans tout en prévoyant la possibilité de la repousser de 2 ans. Il serait ainsi possible pour un agent et à sa demande d'être maintenu en activité jusqu'à 67 ans en distinguant 2 hypothèses. Tout d'abord, soit l'agent dispose du nombre d'annuités nécessaires pour jouir d'une retraite pour ancienneté au taux maximal, auquel cas le recul de la limite d'âge est conditionné à l'avis favorable préalable de l'employeur, soit l'agent ne dispose pas du nombre d'annuités nécessaires pour jouir d'une retraite pour ancienneté au taux maximal, auquel cas le recul de la limite d'âge est de droit. Lors des travaux de la Commission, cette distinction est apparue contestable. Il a été proposé de subordonner à l'avis favorable préalable de l'employeur la prolongation d'activité d'un agent au-delà de l'âge de 65 ans en toute hypothèse. Il s'agit d'éviter toute prolongation d'activité automatique et de laisser à l'employeur, le plus à même d'apprécier les capacités de l'agent, un pouvoir de décision même lorsque l'agent ne dispose pas des annuités nécessaires au bénéfice d'une pension au taux maximal. C'est l'objet de l'amendement numéro 1
déposée par votre rapporteur spécial à l'appui du présent rapport. Dans le souci d'encadrer cette dérogation, le projet de délibération précise les conditions dans lesquelles un fonctionnaire peut demander à prolonger son activité au-delà de 65 ans, en prévoyant notamment que la demande de prolongation soit accompagnée d'un certificat médical appréciant l'aptitude physique de l'intéressé au regard du poste occupé et en excluant du dispositif les fonctionnaires placés en congé de longue maladie, en congé de longue durée ou accomplissant un service en mi-temps thérapeutique. Faisant suite à la recommandation du Conseil d'État qui considère que l'aptitude physique du fonctionnaire comme condition de son maintien en activité au-delà de l'âge de 65 ans n'est pas de portée réglementaire, le projet de loi du pays intègre désormais cette notion d'aptitude physique. Enfin, sur l'entrée en vigueur de la loi du pays, l'article 4 du projet de loi du pays propose une entrée en vigueur de l'ensemble de ces dispositions le premier jour du mois qui suit sa publication au JONC. Lors des travaux de la commission, il a été proposé de reporter l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 2, qui porte sur le recul de la limite d'âge, de la loi du pays à la date d'entrée en vigueur de la délibération d'application prévue le premier jour du mois qui suit sa publication et au plus tard le 30 septembre 2019. En effet, des mesures d'application sont nécessaires à la mise en place du dispositif de prolongation d'activité au-delà de 65 ans. C'est l'objet de l'amendement numéro 2 déposé par votre rapporteur spécial à l'appui du présent rapport. Sur les avis des instances consultatives, tout d'abord l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique. Le présent projet de loi du pays a été soumis pour avis au CSFP en application des dispositions de l'article 6 de la délibération numéro modifié numéro 82 du 24 juillet 1990 portant création d'un comité supérieur de la fonction publique territoriale. Dans son avis rendu en date du 16 janvier 2019, donc le comité supérieur de la fonction publique a émis un avis favorable à l'unanimité des membres présents ou représentés sur le projet de loi du pays, malgré certaines réserves émises sur l'article 2, donc qui concerne le recul de la limite d'âge à 67 ans. Sur l'avis du Conseil d'État, le projet de loi du pays a été soumis pour avis au Conseil d'État en application des dispositions de l'article 100 de la loi organique numéro 99-209 du 19 mars 99 modifié. Dans son avis numéro 396-580 rendu le 29 janvier 2019 par la section locale, le Conseil d'État observe que le projet de loi du pays relève bien de la compétence de la Nouvelle-Calédonie du domaine des lois du pays. Il recommande que, je cite, la suppression des conjoints divorcés de la liste des bénéficiaires d'une pension de réversion s'accompagne de dispositions transitoires afin qu'ils ne soient pas portés atteinte à aucun effet légitimement attendu de la loi. Considérant que le projet de loi du pays ne contient pas de dispositions de portée réglementaire, il fait observer que l'aptitude physique du fonctionnaire en tant qu'elle conditionne le maintien en activité au-delà de l'âge de 65 ans doit être prévue par la loi. Il relève qu'il n'est pas proposé de modifier les dispositions du dernier alinéa de l'article LP261-3 du Code du pension des retraites. Enfin, le Conseil d'État suggère d'intituler le projet de loi du pays comme suit, loi du pays portant diverses mesures en matière de pension de retraite des fonctionnaires de Nouvelle-Calédonie. Sur l'avis du rapporteur, donc Monsieur le Président du Congrès, Monsieur le Président du Gouvernement, mes chers collègues, ces différentes mesures émanent des administrateurs de la Caisse locale de retraite. Elles permettront de simplifier la gestion des pensions de retraite, notamment sur les positions de disponibilité avant un départ à la retraite, d'ajuster le versement de l'indemnité de résidence, de répondre à des situations de doute ou de contentieux sur les pensions de réversion et de répondre à des demandes de prorogation de la limite d'âge de départ à la retraite. Par ailleurs, eu égard au nombre insuffisant de cotisants par rapport à celui des pensionnés, ces dispositions ne résoudront pas le déséquilibre financier que connaît la Caisse locale de retraite depuis plusieurs années et qui pourrait conduire à une cessation de paiement des retraites. Une réflexion de fond devra donc être engagée pour assurer sa pérennité. Aussi, chers collègues, je vous invite à voter en faveur de cette loi de pays. Merci. Monsieur le Président. Je vous remercie, le rapporteur spécial. Nous en arrivons donc à la discussion générale. Y a-t-il des demandes d'intervention dans le cadre de la discussion générale ? S'il n'y a pas d'intervention, je vais donc procéder à l'examen article par article de ce projet de loi du pays.
Vous êtes sûr? Madame la conseillère Nina Julier, vous avez la parole. Non, c'est pas sur les conjoints. C'est pas les situations hors mariage. Pour être sûr d'avoir bien compris le dispositif de reversement de l'indemnité de résidence. Après, les personnes qui auront débuté leur carrière après 2005, lorsqu'elles seront en âge de prendre leur retraite, si elles décident de prendre cette retraite à l'extérieur du territoire, ça veut dire qu'elles pourront le faire sans contrainte de durée à l'extérieur du territoire en touchant une retraite, enfin une indemnité de résidence pleine et entière. C'est ça que ça veut dire. Mais comment est-ce que ce dispositif-là peut venir améliorer les comptes de la CLR, puisque forcément il va augmenter la dépense? Et pour autant, on nous dit que ce texte va permettre, entre guillemets, d'améliorer le budget de la CLR. Donc là, il y a quelque chose que je ne comprends pas. La parole est à Monsieur le Président du gouvernement. Non, Madame la membre du gouvernement en charge de la fonction publique. Merci, Monsieur le Président. Madame Julie a raison. Cette disposition précise ne vise pas à améliorer les comptes de la CLR, effectivement. C'est simplement, ça vise plutôt à corriger ce qui serait à terme vécu comme une inégalité dans la mesure où les cotisants depuis plusieurs années maintenant cotisent sur l'intégralité de leur traitement, y compris l'indexation. Donc c'est plus ça. Mais ça n'est pas une mesure, malheureusement, qui améliorera les comptes de la CLR. C'est pour ça que je vous mentionnais tout à l'heure dans mon propos liminaire le fait qu'il nous faut de toute façon mener des études de façon à proposer quelque chose de plus pérenne. Je vous remercie. La parole est à Monsieur le conseiller Jacques Lallier. Monsieur le Président, dans le rapport, il a été évoqué que le concubinage est équivalent au mariage et le pax. J'ai cru comprendre que le concubinage n'est pas considéré dans la légalité, que ce sont des faits, mais pas... ce serait bien de regarder un peu plus près ça. Le concubinage n'était pas... Quand on avait débattu sur l'intégration, sur la prise en compte du Pax en Nouvelle-Calédonie, il avait été considéré que c'était important de mettre en place le Pax parce que le concubinage ne suffisait pas non plus pour les droits d'héritier. Et je considère que ce qui est là, ça fait partie des héritages, non? C'est pour ça que je posais la question. Madame la présidente de... la membre du gouvernement. Chers collègues, il vaut mieux... Avant, je peux vous préciser, monsieur le conseiller, que le PAC, ça a été introduit en Nouvelle-Calédonie grâce à un amendement parlementaire en 2009. À l'occasion du vote de la LODEOM, déposé par un député de la première circonscription de l'époque. Je vous laisse le chercher. Qui a étendu le PACS à la Nouvelle-Calédonie. Voilà, mais qu'il a fallu qu'on discute sur ça, c'est notamment sur les héritages et tout ce qui est... Et on nous avait dit que le concubinage n'était pas juridiquement... Alors, madame la membre du gouvernement, vous avez la parole. Merci, monsieur le président. Je la passe volontiers à madame la directrice adjointe des ressources humaines. Madame la directrice adjointe. En fin de compte, on a un article du code des pensions qui vient fonder la pension de réversion. Et cet article ne parle en effet que des conjoints. Mais l'article qui arrive juste en dessous nous dit que les dispositions qui sont prévues pour les conjoints sont étendues aux partenaires d'un pacte civil de solidarité et aux concubins non remariés ni liés par un pacte.
Donc on a vraiment, le fait qu'on retienne le concubinage et le Pax, c'est parce que le code des pensions le prévoit. Le conseiller Jacques Lallier. Je m'inquiétais pas tellement pour que la dame qui va recevoir des sous pendant que le mari meurt avant, parce qu'il fait beaucoup plus de bêtises. Enfin, j'ai compris que c'est dans cet esprit que la... Non, c'était pour dire qu'à partir du moment où on le met sur... une loi du pays, ça pouvait être étendu ailleurs que dans le code de... C'est ça mon inquiétude, je pose la question. Que ça a un risque d'être applicable sur l'ensemble des choses qui concernent la vie en communauté. Non, c'est uniquement sur le code, rien que sur le code, et le reste, c'est il faut être paxé et marié. Ça, hein? Sûr. Bien. Donc, l'esprit, elle est là. La parole est à monsieur le conseiller Milnechero. Merci, président. Oui. Je voulais savoir si les dispositions dont on parle dans ce texte, si elles venaient à être appliquées, les dispositions dont on a entendu parler dernièrement et qui seraient notamment à discuter pour l'allongement de la durée de cotisation, elles viendraient en plus de ça, ce dont on parle aujourd'hui, hein, notamment 60 à 62 ans, etc. Là. C'est bien ça. La durée... Je dis, là, on va essayer de... On va prendre des dispositions qui vont essayer d'améliorer la situation de la caisse. Mais même ça ne suffirait pas. Il faudra d'autres par la suite. C'est ça. C'est une question que vous posez, madame, monsieur le conseiller. Madame la membre du gouvernement, vous avez la parole, madame la membre du gouvernement. Si, monsieur le président. Alors, les mesures qui ont déjà été prises pour la CLR, on le sait aujourd'hui, ne suffisent pas. Elles produisent des effets, mais qui sont insuffisants. C'est la raison pour laquelle le conseil d'administration travaille sur l'élaboration d'un cahier des charges pour une étude actuarielle qui sera menée cette année, de façon à ce que, dès l'année prochaine, on puisse proposer un autre train de mesures. Ça, c'est pour la fonction publique, puisqu'on parle bien de la caisse locale de retraite pour les fonctionnaires. En revanche, le débat qui est en cours actuellement concerne plutôt les salariés du secteur privé, puisque le passage de l'âge de la retraite de 60 à 62 ans, on parle là des ressortissants CAFAT. Donc c'est encore autre chose. Oui. Clallier. Promis. Donc avec le texte qui vient de passer, juste avant, ça va augmenter la cotisation d'un CLR. Et ça va arrêter la cotisation à la CAFAT, puisqu'il... Non ? On continue à maintenir ça ? C'est première question. C'est première question. Enfin, c'est la question. Par contre, le reste, je voulais dire que dans l'étude actuarielle que vous voulez établir, ce serait intéressant de projeter dans le cadre d'une prolongation à 67 ans, parce que puisqu'on prolonge à 66 ans, ça veut dire qu'on diminue la capacité d'embauche. Et donc, ce serait intéressant d'embauche des jeunes, notamment. Et la question que je me pose, c'est si c'est des jeunes qui commencent leur carrière, est-ce que... c'est quoi la différence par rapport à un vieux qui a déjà 30 ans de service, notamment, donc qui cotise un peu plus. Donc je veux simplement voir un peu les rapports pour savoir s'il faut toujours continuer à augmenter jusqu'à 70 ans ou il faut
encourager l'embauche des jeunes si ça rattrape un peu, puis qu'on retrouve autre chose pour renflouer la caisse. C'est ce que je souhaite à travers le vote et l'étude. Parfait. Y a-t-il d'autres demandes d'intervention concernant ce projet de loi du pays, Madame la conseillère Nina Julier? Je reviens à ma première intervention et je reprends le rapport du rapporteur spécial qui nous indique qu'en 2017, les pensionnés vivant à l'extérieur du territoire et ne percevant pas d'indemnité de résidence sont au nombre de 306, soit une économie de 63 millions de francs. On nous indique qu'en 2018, cela concernerait 118 pensionnés à qui il conviendrait de reverser une partie de ce montant. Est-ce qu'on sait combien ça représente? Et est-ce qu'on a fait des projections? Si on part du principe que la proportion de fonctionnaires qui prennent leur retraite à l'extérieur du territoire, c'est à peu près la même que celle indiquée dans le rapport, c'est-à-dire à peu près 6%, est-ce qu'on a fait des projections pour savoir quel va être le poids de la dépense sur la CLR? La parole est à Madame la membre du gouvernement en charge de la fonction publique. Monsieur le Président, je passe la parole à la directrice de la CLR, s'il vous plaît. Bien, Madame la... Non, c'est moi. Ah pardon, excusez-moi. Madame la directrice de la Caisse locale de retraite. Merci. Merci, Monsieur le Président. Alors, pour répondre à la question, alors une précision. Alors, ce qui est dit dans le rapport spécial, c'est bien qu'il y a aujourd'hui 309, en 2018, 306 retraités qui vivent à l'extérieur du territoire. Ces retraités, aujourd'hui, comme ils vivent à l'extérieur du territoire, ne perçoivent pas l'indemnité de résidence. Et ça, c'est une économie de 363 millions. Pas 63, mais 363 millions. Ah, pardon, excusez-moi. Voilà, donc c'est une... Et avec, avec les nouvelles mesures qui vont être votées aujourd'hui, une partie, donc pour la portion après le 1er juillet 2005, dans ces 309 personnes, on a évalué qu'il y en avait 118 qui seraient concernées par cette mesure, parce que toutes celles d'avant, c'est-à-dire les 280, ont eu leur carrière avant 2005. Donc elles continueront à ne rien percevoir au niveau de l'indemnité de résidence. Par contre, pour ces 118 personnes, on a évalué à une dépense annuelle de 40 millions. 40 millions ad vitam aeternam. Pour cet effectif de 300. Donc, au fur et à mesure que des personnes vont venir se rajouter, mais ça, c'est impossible à chiffrer pour la CLR, parce qu'on ne sait pas aujourd'hui combien de personnes, même si on prend une proportion, on ne connaît pas leur carrière. Plus ces personnes auront, plus les personnes qui partiront à l'étranger auront fait leur carrière après 2005, moins on pourra prélever. Voilà, donc, et ça c'est impossible, enfin aujourd'hui, à moins d'être actuaire, pour nous c'est impossible à projeter. Donc aujourd'hui, de sûr, on sait que ça va nous coûter 40 millions, c'est-à-dire à partir du moment où cette loi sera promulguée, il va falloir verser 40 millions à des personnes qui aujourd'hui ne touchaient rien, ils vont toucher un bout. Et ce bout va représenter 40 millions sur une année pleine. D'autres interventions dans le cadre de la discussion générale? S'il n'y a pas d'autres discussions, donc nous allons aborder l'examen de ce projet de loi du pays qui comporte 4 articles. Sur l'article 1er, Madame la rapporteure spéciale, s'il vous plaît. Sur l'article 1er, donc Madame Thiéoué s'assure de l'octroi d'une pension de réversion à l'ensemble des orphelins du fonctionnaire décédé, quand bien même il serait issu de plusieurs lits. S'interrogeant sur l'intégralité des partenaires
Sur l'intégration des partenaires pacsés ou en concubinage dans le dispositif, Mme Fèvre a souhaité des précisions sur la notion de conjoint telle qu'elle figure à l'article 1er du présent projet de texte. Mme Beauvin a précisé que l'emploi du terme conjoint renvoie à une personne mariée et non à une personne pacsée ou en situation de concubinage. Mme Fèvre a estimé nécessaire d'étendre la mesure aux partenaires d'un pacse et aux personnes en situation de concubinage. Mme Moudi a affirmé que l'ex-partenaire ou l'ex-concubin d'un fonctionnaire décédé bénéficie actuellement d'une pension de réversion. Mme Fèvre a souhaité savoir si cette mesure s'applique également aux unions homosexuelles, faisant remarquer que plusieurs lois du pays font référence aux conjoints mariés ou pacsés. Mme Ligard a estimé normal de prendre en compte l'ensemble de ces situations. Mme Jocteur a confirmé la prise en compte de la situation de concubinage par la CLR et a précisé qu'un formulaire a été mis en place à cet effet. Mme Voisin a fait remarquer que si le concubinage n'est pas reconnu sur le plan de la fiscalité, il est en revanche pris en compte dans le cadre de l'aide au logement et de l'octroi de bourse. Mme Oudia a rappelé les dispositions de l'article R261-1-1 du Code des pensions de retraite des fonctionnaires relevant des fonctions publiques de Nouvelle-Calédonie rédigées comme suit. La pension de réversion est attribuée premièrement au partenaire suivant. Survivant, si le pacte civil de solidarité a duré au moins 2 années. Deuxièmement, survivant, si le concubinage a été porté à la connaissance du directeur de la caisse locale de retraite avant le décès du pensionné ou du fonctionnaire au moyen d'une déclaration sur l'honneur co-signée par les concubins, et s'il apporte la preuve que la situation de concubinage a débuté au moins 2 ans avant la date du décès du pensionné ou du fonctionnaire. Mme Fèvre a suggéré de prendre en compte ces situations en complétant les dispositions du 5e de l'article 1er du présent projet de texte, modifiant les 2e et 3e de l'alinéa de l'article LP261-3 du Code des pensions des retraites des fonctionnaires relevant des fonctions publiques de Nouvelle-Calédonie. Mme Beaumont a fait remarquer que les dispositions de l'article LP261-1-1 du Code des pensions de retraite des fonctionnaires relevant des fonctions publiques de Nouvelle-Calédonie, introduites en 2014, ont étendu le bénéfice de la pension de réversion prévue à l'article LP261-1 du même Code aux partenaires de PACS et aux concubins de fonctionnaires décédés après le 1er mars 2014, à la condition que le PACS, le concubinage, ait été conclu pour une durée aux conditions fixées par la voie de délibération. Elle en conclut que ces situations sont donc déjà visées. En réponse à Mme Fèvre, Mme Beaumont a confirmé que le Code des pensions de retraite des fonctionnaires relevant des fonctions publiques de Nouvelle-Calédonie s'applique aux 2 fonctions publiques de Nouvelle-Calédonie, territoriale et communale. Avis favorable à l'unanimité des suffrages exprimés, les groupes Unis et Calédonie Ensemble réservant leur avis pour la séance publique. Je vous remercie. Pour cet article 1er, y a-t-il des questions ? Y a-t-il des observations ? S'il n'y en a pas, je vais donc vous soumettre au vote cet article 1er de cette loi du pays. À main levée, qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Monsieur le secrétaire général adjoint, veuillez s'il vous plaît proclamer les résultats. Président, nous avons enregistré 41 pour. Et donc, 0 abstention et 0 vote contre. Donc, cet article 1er est par conséquent adopté. Nous passons à l'examen de l'article 2, sur lequel je suis saisi d'un amendement numéro 1 de Madame la rapporteure spéciale. Je vous propose donc de nous faire état de la discussion qui a lieu dans la commission, et ensuite de bien vouloir défendre votre amendement numéro 1, Madame la conseillère, s'il vous plaît. Vous avez la parole. Oui. Alors, rappelons que le projet de loi du pays examiné précédemment par la commission abroge la délibération numéro 486 du 10 août 1994 portant création du statut général des fonctionnaires des communes de Nouvelle-Calédonie. Madame Thiéwe s'est interrogée sur l'exactitude de la référence figurant à l'article 2 du présent projet de loi du pays. Madame Beaumont a confirmé les propos de M. Travers, à savoir que l'abrogation de la délibération précitée ne prendra effet qu'à compter de l'entrée en vigueur de la loi du pays relative à la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie. Mme Fèvre a réitéré sa proposition de modifier l'article 2 du projet de loi du pays tendant à conditionner systématiquement la prolongation d'activité au-delà de 65 ans à l'avis favorable de l'employeur. Elle a estimé essentiel que l'employeur puisse exprimer son avis en toute hypothèse, rappelant le principe de mobilité applicable aux fonctionnaires et la possibilité pour l'agent de s'adresser à une autre administration. Elle exclut toute volonté de freiner la prolongation d'activité.
Elle estime toutefois suffisante la seule condition tenant à l'aptitude physique de l'agent. M. Thuroux a indiqué que lorsque l'agent atteint la limite d'âge pour exercer, il ne peut plus bénéficier d'une mobilité. Il a fait observer que cette limite d'âge constitue une sorte de couperet empêchant les fonctionnaires de continuer à exercer. Mme Fèvre a fait remarquer que l'agent concerné effectue ses démarches en amont sans attendre d'atteindre l'âge de 65 ans. M. Thuroux a précisé que les dites démarches sont effectuées 6 mois avant la date de mise à la retraite. Estimant que l'employeur est le mieux placé pour apprécier les capacités de l'agent à poursuivre son activité, Mme Fèvre a réitéré son souhait de lui laisser le dernier mot. Rappelant que ces mesures ont fait l'objet de discussions au sein du conseil d'administration de la CLR, au sein duquel siègent certains employeurs, notamment les associations de maires et les provinces, Mme Niger a indiqué que le recul de l'âge de départ à la retraite a reçu un avis favorable unanime. Elle signale toutefois l'abstention de la province sud sur cette mesure à l'occasion de son examen par le Conseil supérieur de la fonction publique. Mme Thuroux a souhaité des précisions sur le nombre de fonctionnaires concernés par ce dispositif, évoquant la possibilité de limiter son application dans le temps. Elle a émis l'hypothèse de prévoir une disposition transitoire à ce sujet. Elle a fait observer que, bien que ne disposant pas du nombre d'annuités nécessaires pour bénéficier d'une pension complète, certains agents ne souhaitent pas pour autant poursuivre leur activité. Elle s'est interrogée sur l'intérêt pour l'administration à maintenir en activité des personnes de plus de 65 ans. Mme Fèvre a insisté sur la nécessité de pouvoir encadrer ce dispositif et éviter d'éventuels abus qui pourraient résulter d'une prolongation d'activité systématique. Elle a fait observer que cette mesure devrait concerner un faible nombre d'agents. Elle estime que les agents de valeur recevront nécessairement un avis favorable de leur employeur. En réponse à Mme Fèvre, Mme Beaumont a souligné les difficultés à disposer de statistiques en la matière, dans la mesure où les agents sont systématiquement mis à la retraite à 65 ans. Mme Audi a précisé qu'en 2019, 11 agents atteindront l'âge de 65 ans, dont 7 ne justifient pas des 40 annuités nécessaires au versement d'une pension au taux maximal. Mme Beaumont a précisé que l'employeur pourra émettre son avis dans le cas de la demande de l'agent, qui interviendra 6 mois avant la date présumée de mise à la retraite. M. Travers, le directeur des affaires juridiques et du contentieux du Congrès, a rappelé la possibilité pour tout élu de déposer des amendements. Traduisant la proposition de modification de Mme Fèvre, il suggère de rédiger le troisième alinéa comme suit. Cette limite d'âge peut être reportée à 67 ans sur demande de l'agent et sous réserve de son aptitude physique et de l'avis favorable préalable de l'employeur. Supprimer les alinéas 4 et 5. Les membres de la commission émettent un avis favorable sur la proposition de modification. Mme Saad Mohamed a indiqué qu'elle déposera en sa qualité de rapporteur spécial un amendement en ce sens à l'appui de son rapport spécial. Mme Audier s'est interrogée sur la nécessité de motiver le refus éventuel de l'employeur afin d'éviter tout contentieux en la matière. Mme Beaumont a précisé que le dispositif proposé ne constitue pas un droit mais une possibilité pour l'agent. Mme Thuroux s'est assurée que l'agent conserve la possibilité de partir à la retraite à 65 ans, même s'il ne dispose pas du nombre d'annuités nécessaires pour bénéficier d'une pension au taux maximal. Donc il y a eu un avis favorable à l'unanimité des suffrages exprimés sur l'article modifié. Les groupes uniques et l'ensemble qui réservent leur avis pour la séance publique. Nous vous remercions. Pouvez-vous maintenant donc lire le texte de l'amendement. Présentez votre amendement, s'il vous plaît, Madame la conseillère. Bon, tel qu'il a été indiqué, donc je vous lis le texte de l'amendement. Donc il s'agit de donc en grand 1 de compléter le troisième alinéa par les mots, ouvrez les guillemets, et de l'avis favorable préalable de l'employeur, fermez les guillemets, et en grand 2, supprimer les quatrième et cinquième alinéas. Je vous remercie. Sur l'amendement numéro 1 portant sur l'article 2, y a-t-il des questions ? Y a-t-il des observations ? S'il n'y en a pas, je mets aux voix l'amendement numéro 1, vote identique. Il est donc adopté. L'amendement numéro 2 ainsi amendé, des questions ? Des observations ? S'il n'y en a pas, je mets aux voix l'article 2 ainsi amendé, vote identique. Cet article 2 amendé est adopté. Article 3. Madame Fèvre a invité les représentants de la CLR à adresser un courrier à l'ensemble des communes compétentes en la matière d'état civil afin d'obtenir des informations sur la situation personnelle des personnes bénéficiant d'une pension de réversion en leur qualité d'ex-conjoint, ex-partenaire ou ex-concubin d'un fonctionnaire décédé. Madame Audi a signalé les difficultés rencontrées pour obtenir des informations sur les décès. En réponse à Madame Fèvre, Madame Jouctor a indiqué que toute demande de pension à réversion
doit être accompagné d'une attestation sur l'honneur certifiant de la situation de veuvage et de l'absence d'une nouvelle union. Constatant que cette attestation n'est pas de nouveau sollicitée par la suite, Mme Fèvre a préconisé la mise en place d'une procédure d'actualisation et de vérification régulière auprès des bénéficiaires de pensions de réversion afin de s'assurer que la situation de la personne concernée n'a pas changé. Avis favorable à l'unanimité des suffrages exprimés, le groupe Unique Aligné Ensemble réservant leur avis pour la séance publique. Sur l'article 3, y a-t-il des questions, des observations ? Je mets aux voix, vote identique. L'article 3 est donc adopté. L'article 4, je suis saisi d'un amendement numéro 2. Je vous prie de bien vouloir lire les observations de la commission, puis de défendre votre amendement numéro 2, s'il vous plaît, Madame la rapporteure spéciale. Oui, faisant remarquer que la délibération d'application précise les modalités de mise en œuvre du contrôle de l'aptitude physique de l'agent sollicitant un recul de l'âge de départ à la retraite, Madame Beaumont préconise de fixer l'entrée en vigueur de la loi du pays à la date d'adoption de la délibération d'application. Madame Audier indique que seule la mesure tendant au recul de l'âge de départ à la retraite nécessite des dispositions d'application. Elle exprime le souhait d'une application rapide des autres dispositions de loi du pays, notamment en matière de pension de réversion. Monsieur Travers suggère d'opérer une distinction entre, d'une part, les dispositions de la loi du pays qui se suffisent à elles-mêmes et entreront en vigueur dès sa publication au JONC, et d'autre part, les mesures nécessitant d'être précisées par voie de délibération et pour lesquelles il conviendrait de prévoir une clause d'entrée en vigueur différée. Madame Beaumont relève que seules les dispositions de l'article 2 du projet de loi du pays seraient concernées par une entrée en vigueur différée. La commission émet un avis favorable sur la proposition d'entrée en vigueur différée. Madame Sannouamat indique qu'elle déposera, sous qualité de rapporteur spécial, un amendement en ce sens à l'appui de son rapport spécial. Donc sur le texte de l'amendement, donc l'article 4 serait ainsi rédigé. En grand 1, les dispositions de l'article 2 de la présente loi du pays entrent en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de la délibération portant diverses mesures en matière de pension de retraite des fonctionnaires de Nouvelle-Calédonie et au plus tard le 30 septembre 2019. En grand 2, les autres dispositions de la présente loi du pays entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. Il y a eu un avis favorable à l'unanimité des suffrages exprimés sur l'article ainsi amendé et les groupes Unique Calédonie Ensemble réservent leur avis pour cette séance. Sur l'amendement numéro 2, qui vient d'être présenté par notre collègue, y a-t-il des questions ou des observations ? S'il n'y en a pas, je le mets aux voix. Vote identique, l'amendement numéro 2 est par conséquent adopté. Sur l'article 4, ainsi amendé, y a-t-il des questions ou des observations ? S'il n'y en a pas, je mets aux voix cet article 4 amendé. Vote identique, il est donc adopté. Nous en avons terminé avec l'examen article par article de ce projet de loi du pays. Je vais donc vous demander de bien vouloir m'indiquer si vous souhaitez intervenir dans le cadre de l'explication de vote. Pas d'intervention ? Oui, Madame la conseillère Sannouamat Ousmaïni, enfin Rusmaïni Sannouamat, pardon. Madame la conseillère Marie-Françoise Mehoun, pas d'autres interventions. Vous avez la parole, Madame la conseillère Sannouamat. Mes chers collègues, la Caisse locale de retraite est un établissement public à caractère administratif de la Nouvelle-Calédonie chargé de gérer les pensions de retraite des agents relevant des deux fonctions publiques de Nouvelle-Calédonie et des communes. En date du 13 avril 2018, le conseil d'administration, notamment composé de chacune des provinces, des maires, d'agents affiliés à la caisse et de retraités, adopte quatre mesures qui ont pour but, tout d'abord, de faciliter la liquidation des droits à pension pour ancienneté aux agents en position de disponibilité, de modifier les conditions et les effets de l'absence du territoire de la Nouvelle-Calédonie des fonctionnaires pensionnés, de retirer les conjoints divorcés de la liste des bénéficiaires d'une pension de réversion et de permettre le report à 67 ans de la limite d'âge du maintien en activité.